Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TV Plus Madagascar. En ce samedi, je vous invite à m'accompagner pour les informations de ce soir et vous donne déjà rendez-vous à 19h30 pour encore plus d'informations. Mais pour ce qui est cette édition-ci, voici les titres. La loi des finances 2021 prévoit une baisse à 5% de la TVA retenue sur le gaz, butane contre 20% l'année dernière. Une baisse qui entraînera une réduction du prix du gaz butane à usage domestique sur le marché local. L'UNICEF, à travers le programme Éducation pour tous, a prolongé jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022 l'aide alimentaire pour les élèves scolarisés dans les écoles primaires publiques dans les régions du sud et du sud-ouest. Une hausse des taux d'occupation a été enregistrée dans plusieurs hôtels et lieux touristiques suite aux initiatives de promotion du tourisme national effectuées dernièrement. D'après les promoteurs, la période des grandes vacances prévues ce début juillet est vivement attendue pour booster sa relance, d'où une nouvelle édition du Tsienabin Fizantand qui se tiendra la semaine prochaine. La famine fait ravage au Tigré en Éthiopie, où la guerre sévit depuis 8 mois. 5 200 000 personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence et plus de 400 000 personnes sont en situation de famine. Voici donc les détails de nos informations. La loi des finances 2021 prévoit une baisse à 5% de la TVA retenue sur le gaz butane contre 20% l'année dernière. Une baisse qui entraînera une réduction du prix du gaz butane à usage domestique sur le marché local. Pourtant, force est de constater que plus de 97% des ménages malgaches n'ont pas encore les moyens d'acheter du gaz domestique. Ainsi, l'État, avec le comité malgache du butane, s'est fixé comme objectif d'augmenter le nombre d'usagers pour sortir peu à peu du charbon de bois comme énergie domestique dans un souci de protéger l'environnement. Reportage. 92% des ménages malagasy utilisent encore du charbon de bois comme combustible. À Madagascar, la consommation de charbon de bois est de 450 000 tonnes par an. Seulement 3% des ménages malagasy utilisent encore le gaz domestique, une situation qui s'avère trop coûteuse pour l'environnement malagasy ainsi que pour la santé, selon la ministre de l'Environnement. C'est donc dans cette optique que le ministère de l'Environnement, le ministère du Budget et des Finances et le comité malagasy du butane ont procédé à une signature de coopération tripartite. Coopération signée hier à Anoussi, à l'hôtel Carlton, et qui a permis de baisser jusqu'à 5% la TVA sur le gaz butane, si cela était encore de 20% l'année dernière. Une baisse de TVA qui entraînera à coup sûr une baisse du prix du gaz butane à usage domestique sur le marché local. L'objectif est d'encourager les ménages malagasy à se convertir peu à peu à l'utilisation exclusive du gaz butane, plus bénéfique pour la santé et pour l'environnement. Dans l'accord de coopération, il a été convenu que 115 000 ménages vont bénéficier gratuitement pendant une année de kits complets. 9 000 autres kits vont aussi être vendus avec 80% de réduction. En outre, la vente du gaz butane en détail au prix de 3 000 ariars se poursuit en même temps et un reboisement annuel de 60 hectares de terrain fait aussi partie du programme.
L'UNICEF, à travers le programme Éducation pour tous, a prolongé jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022 l'aide alimentaire pour les élèves scolarisés dans les écoles primaires publiques dans les régions du Sud et Sud-Ouest. Et cela en raison de la crise alimentaire qui sévit dans ces régions. Selon les explications, le Norvège a appuyé financièrement le pays afin de continuer ce projet d'aide nutritionnelle aux enfants pour les protéger face à la sécheresse. Depuis 1984, date de l'établissement de l'UNICEF à Madagascar et début de ses interventions pour porter secours au sud, la région n'est toujours pas sortie de l'auberge, témoigne le représentant résident de l'UNICEF à Madagascar, Michel Saint-Lô, ce jour. Lui de dire que malgré les efforts entrepris par diverses entités pour éradiquer ce fléau, ce problème persiste toujours. Il est grand temps pour l'UNICEF de mettre en place des solutions pérennes d'après les explications. Dans son rôle de défenseur des droits des enfants, l'UNICEF fait de sa priorité les enfants du Grand Sud, victimes du Kéré. Si le programme Éducation pour tous devait expirer en cette moitié de 2021, il sera prolongé jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022. Et ce, grâce à l'appui financier du Norvège à hauteur de 5,4 millions de dollars américains. Parce qu'aujourd'hui, rien que pour le Kéré dans le sud, Kéré signifie sécheresse, signifie famine aussi, on est en train de dépenser plus de 100 millions de dollars et davantage dans le sud pour répondre à cette sécheresse, et les impacts de cette sécheresse. Alors qu'on aurait pu faire tous ces pipelines, il y a 4 ans de ça, à un coût de 60 millions de dollars. Donc on aurait évité que l'année prochaine, on aura un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré. Donc ce pays a dépensé plus de 1 milliard de dollars dans le sud, si on n'a jamais résolu les problèmes. Et le but de l'UNICEF aujourd'hui, et des Nations Unies, et du gouvernement malgache, c'est de voir d'en aligner non plus des solutions de court terme, mais des solutions pérennes, quel que soit le coût, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Plus de 114 400 enfants dans les régions Androui, Danos et Datsimwanjefana bénéficieront des repas scolaires à travers ce programme. L'extension du programme appuiera également la construction de 64 nouvelles salles de classe dans ces écoles équipées d'installations d'eau. Et la population des régions d'Anos et d'Anjou, victimes de Kéré, commence à s'investir dans l'agriculture actuellement. D'après le Programme mondial pour l'alimentation ou le PAM, la population est de plus en plus consciente des nombreux avantages et résultant, que ce soit pour l'alimentation ou encore en termes de commercialisation. Ainsi, un projet d'appui financier aux agriculteurs a été mis en place dans le sud. 3500 agriculteurs en ont bénéficié jusqu'à ce jour. C'est un reportage de Mamtien Djemloul, image Omega Nevzon. Le sud du pays commence à verdir avec une proportion encore timide. La population a profité de la pluie pour travailler la terre et entreprendre l'agriculture. Elle est de plus en plus consciente des avantages que représente l'agriculture d'après le PAM. En effet, les produits issus des cultures peuvent à la fois servir d'apport en alimentation et en produits de commercialisation. Actuellement, la culture de maïs est la plus prisée dans la majorité des communes où l'agriculture est devenue une activité quotidienne. Pour appuyer donc les agriculteurs des régions d'Anos et d'Anjoui, un projet intitulé « Arun Fambulena Vuatse » a été initié. Un projet qui consiste à protéger les familles vulnérables face au changement climatique et à l'invasion d'insectes nuisibles dans la zone du sud. Par la promotion de l'agriculture, il permet d'appuyer financièrement les agriculteurs pour leur permettre de se procurer des engrais, des semences, mais aussi des insecticides. Actuellement, 3500 agriculteurs dans ces deux régions ont déjà bénéficié de ces aides financières. Au total, une somme d'1,330 milliard d'ariary sera distribuée aux bénéficiaires du projet. Le projet s'étalera sur 3 ans, selon toujours les précisions.
1250 autres agriculteurs s'ajouteront aux bénéficiaires du projet pour la campagne d'agriculture 2021-2022. Outre le PAM, plusieurs secteurs privés s'attellent à financer le projet. Et une hausse des taux d'occupation a été enregistrée dans plusieurs hôtels et le touristique suite aux invitations de promotion du tourisme national effectuées dernièrement d'après les promoteurs. La période des grandes vacances prévues ce début juillet est vivement attendue pour booster sa relance d'où une nouvelle édition du Tsenabien Fizantand qui se tiendra la semaine prochaine à Antananarivo. Sibylla de Maza, Verivre de Narzonne. Le tourisme national commence à intéresser les Malagasy, mais le principal blocage demeure au niveau du pouvoir d'achat. Lourdement touché par les impacts de la Covid-19, le tourisme peine à se redresser face à la crise économique. Ainsi, les efforts pour sa relance ont été fournis et ils ont déjà porté leurs fruits selon les organisateurs. Une hausse des taux d'occupation a été enregistrée dans plusieurs hôtels et lieux touristiques suite aux événements organisés pour la promotion du tourisme national selon les promoteurs. Cette augmentation est de 25%. Par ailleurs, la période des grandes vacances qui est prévu à partir de ce mois de juillet, est vivement attendu pour un décollement rapide du secteur. Une nouvelle édition du Tsenabeni Fizantan aura donc lieu la semaine prochaine à Antananarivo afin de relancer le tourisme national. 32 participants proposeront des offres et des promotions. Quelques particularités sont aussi attendues pour cette nouvelle édition. Volet formation professionnelle, les jeunes résidents dans les communes rurales rencontrent des difficultés dans la recherche d'emploi nécessitant la maîtrise des outils informatiques. En effet, les seuls établissements qui dispensent des cours d'informatique se trouvent dans les grandes villes où les tarifs proposés ne sont pas vraiment à leur portée. Une situation qui désavantage les jeunes résidents ruraux dans le processus de recherche d'emploi. Face à cela, une association privée d'organiser des séances de formation professionnelle pour aider les jeunes étudiants dans la commune rurale d'Andang, dans le district de Mouramang. 150 jeunes ont assisté à cette formation basée sur l'initiation aux outils informatiques. Le but est de les soutenir dans les démarches de recherche d'emploi, mais aussi et surtout de les aider à créer eux-mêmes leurs emplois. Selon l'association formatrice, le maire de la dite commune d'interpeller les responsables étatiques d'étendre ce type de formation professionnelle au niveau de toutes les communes rurales afin d'aider tous les jeunes dans le pays. À noter qu'il s'agit d'une formation gratuite axée directement sur l'univers professionnel. Et place à l'actualité internationale pour terminer cette édition. 5 jours après la prise de la capitale régionale Makele par les forces de l'ordre, par les forces de défense du Tigré, la communauté internationale a alerté vendredi sur une situation humanitaire dramatique sur place. Les Nations Unies exhortent les rebelles à appliquer le cessez-le-feu décrété par l'Éthiopie. Sur place, 5 200 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire d'urgence et plus de 400 000 personnes sont en situation de famine. Reportage France 24. Des populations à bout de souffle à Mekele, la capitale du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Déjà confrontées à des conflits depuis le mois de novembre, c'est aujourd'hui la famine qui menace. La destruction de ce pont sur la rivière Tekeze complique fortement l'approvisionnement de denrées. Le fait est que des gens sont morts, meurent en ce moment et continueront de mourir si on nous empêche d'éviter cela en apportant de l'aide. Et ce n'est pas juste pour le programme alimentaire mondial, ça concerne tous les acteurs humanitaires. Le 29 juin dernier, le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, a réussi à reprendre la région au pouvoir fédéral, après plusieurs jours d'intenses combats. Le porte-parole du groupe armé accuse aujourd'hui le gouvernement d'avoir sciemment détruit le pont. Les forces d'Amhara et d'Aibi sont occupées à détruire et exploser des ponts pour premièrement empêcher l'aide humanitaire d'arriver auprès du peuple de Tigré et surtout empêcher les forces du peuple tigréen
de s'emparer de l'ouest du Tigré. Les autorités éthiopiennes démentent formellement ces accusations. C'est notre peuple. Et le fait est que nous mettons en œuvre toutes nos forces pour les extirper de cette situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent maintenant. Et c'est de notre devoir. Le gouvernement a également déclaré que l'espace aérien pourra être ouvert si des avions de l'ONU doivent transporter de l'aide. Mais les ONG restent prudentes. Cela prendra, quoi qu'il en soit, beaucoup plus de temps que prévu pour atteindre les zones les plus affectées. Et oui, je vous remercie d'avoir suivi cette édition jusqu'à son terme. Belle soirée à toutes et à tous sur TV Plus Madagascar. À tout de suite pour l'édition en version malagasse de 19h30. Au revoir. Thank you.